Ok la team, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Là, je vous entre dans le système secret de Système Garde Pass. Je vous montre ici en exclusivité le système numéro 2 et je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Ok, donc système numéro 2, j'ai choisi de bosser sur ce qu'on appelle le XPass. Le XPass, alors est-ce que je peux agrandir plus ou pas? Le XPass, c'est une position où on va contrôler le haut du kimono et le pantalon. Okay. Ce qui nous permet d'avoir un passage. Regardez, en fait, oula, pardon. Regardez. Pourquoi on appelle ça le X-Pass? Parce qu'à un moment, mes bras forment un X. Désolé pour la petite manipulation. C'est un passage très fort qu'utilisait beaucoup Marcelo Garcia, les élèves de Marcelo Garcia, Solo Ribeiro. Maintenant, le système consiste à tenter le passage littéralement pour passer la garde. En one shot du premier coup, mais aussi sa puissance, c'est qu'on peut le connecter aux défenses de l'adversaire. La première défense basique que vous apprenez en jiu-jitsu, un adversaire fait sa sortie de hanche, il ramène les genoux près du corps, et là du coup, ça nous donne une formidable opportunité de lancer un leg drag. Donc ensuite, on va contrôler le haut du corps, contrôle bras-tête, on connecte nos bras et nous passons la garde du côté opposé. Ensuite, l'autre possibilité qu'il a, c'est s'il ne fait pas sa sortie de hanche, il peut se sauver à l'extérieur. Et donc là, nous avons l'opportunité, bien évidemment, de prendre le dos. Encore faut-il faire les bonnes choses pour prendre le dos et ne pas perdre la position. Donc, toujours, on part de la même position, les mêmes saisies en haut du corps, les mêmes saisies sur le pantalon. Il défend. Et là, on part directement pour prendre le dos, seatbelt. On place un crochet, puis un autre. Dans la variante ici, on peut supprimer un bras pour les défenses d'un étranglement à venir. Autre chose, évidemment, qui peut se passer, c'est on veut sortir la jambe, mais Bibi, il bloque la jambe. Donc du coup, on a une possibilité de knee cut. Là, lorsque vous voyez le truc comme ça. Vous avez peut-être pas l'impression que c'est impressionnant. On n'est pas là pour impressionner, on est là pour être efficace, les amis. Donc là, ça bloque. Mince, pardon, je suis désolé. Là, on fait au mieux, on fait avec les moyens du bord. Hein. Ah d'accord, j'ai capté pourquoi ça a fait comme ça. Je suis désolé hein, pour la petite. J'espère que vous ne faites pas d'épilepsie ou un truc comme ça. Hein. Ok. Qu'est-ce que tu fais, mon bibi? Ça bloque. Donc là, ce que 90% des combattants font. Quand la jambe bloque, ils reposent la jambe et ils essaient de recomposer un truc. Nous, ce que l'on va faire dans la série système, c'est tout l'objectif de la série système, c'est on se sert de la défense de l'adversaire parce que lorsque votre adversaire défend, il s'expose. Une défense, c'est une exposition. Donc il défend et là, qu'est-ce qu'on va faire? On vient directement poser notre genou dans le sol, fort, en mode Luca Lepre. On pose notre genou fort dans le sol, contre le côté de l'adversaire. Regardez le corps, comment il est positionné. C'est quasiment impossible à ce moment-là pour lui de faire un lasso. Et encore, on va accentuer encore l'angle. Oh, vous voyez, lasso, c'est mort. C'est impossible. Une fois qu'on est dans cette position-là, l'objectif est d'aller chercher un contrôle sur le haut du corps. Et ensuite de libérer son pied en kickant la jambe supérieure pour libérer le talon et la jambe inférieure pour libérer le pied. Et ensuite, nous avons un passage. Donc ici, c'est le système numéro 2. De système Guard Pass, il y a en tout dans la série 5 systèmes interconnectables les uns avec les autres, les amis. 5 systèmes interconnectables les uns avec les autres. De 3 à 5 techniques par système, vous pouvez faire une carrière en jiu-jitsu avec ça. Ok? Et la puissance de ce que je vous présente ici, c'est que vous pouvez juste copier ce que je vous propose, mais ce qui est encore plus puissant, c'est que vous pouvez vous-même. En fait, je vous donne une méthodologie qui va vous permettre de créer vous-même vos propres systèmes avec les techniques que vous aimez, que vous affectionnez. Parce qu'en jiu-jitsu, bon, c'est comme dans la vie, il faut qu'on apprenne les choses pour lesquelles on a de l'attirance. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir regardé ce petit module. Je mets le lien dans la description. Pour ceux qui veulent aller plus loin et apprendre les 5 systèmes. Et vous pouvez aussi lire, voilà un petit peu, j'explique un petit peu le descriptif du programme. Et pour finir,
Système GuardPass, c'est le premier opus pour 2022 d'une série de la série Système où il y aura plusieurs, on couvrira plusieurs aspects du Jiu-Jitsu en mode systémique. Voilà, bonne journée à vous. Ciao, ciao. Et un pouce bleu.